those medical pills that push me over. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage avec la Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty et cette teinte mint qui est vraiment très très jolie. Donc comme je l'aime beaucoup, je vais l'appliquer dans mon coin interne. On va faire quelque chose d'assez léger, on va dire, avec cette couleur là. Donc je l'applique dans le coin interne en estompant légèrement les bords. Et ensuite je passe à un rose beaucoup plus foncé que je vais appliquer dans le coin externe avec un pinceau estompeur que j'ai pris légèrement trop gros parce que tous mes pinceaux étaient sales et que, ben voilà, pas le temps de les laver, c'est le matin, hein. Bref, c'est pas très grave, après je vais en venir en prendre un autre et ça va le faire. C'est juste que ça me prend un peu plus de temps parce que j'essaye d'avoir quand même une certaine précision parce que j'avais déjà fait mon teint comme vous pouvez le voir. Donc on applique cette teinte sur le coin externe et je viens l'étirer comme d'habitude, comme souvent. Et surtout, je vais commencer à estomper un peu avec le vert pour avoir un joli dégradé entre les deux couleurs. Là, je me suis quand même décidée à prendre un petit pinceau un peu plus précis pour parfaire un peu mon travail. Je reprends le fard vert pour estomper aussi un petit peu avec le rose. Et ensuite, je vais venir prendre cette teinte lilas en pastel et je vais estomper du coup les bords. Donc là, j'ai pris un pinceau estompeur beaucoup plus petit. Et du coup, je vais en profiter en même temps pour la placer en ratier. Je reprends mon anti-cerne de chez Makeup Revolution et je vais venir faire mon cut crease. Ensuite, je reprends le pinceau sans rajouter de matière et j'estompe juste l'anti-cerne avec du fard pour que ça soit plus doux comme dégradé. Je vais venir prendre du coup cette teinte, je ne sais pas comment la décrire, mais très lumineuse et très jolie. Un peu dur à appliquer, j'avoue, mais j'y suis arrivée. Je pense qu'au doigt, ça aurait été plus simple, mais évidemment, c'est toujours un peu moins précis. Cette couleur est très lumineuse et quand même assez jolie. Je ne sais pas comment la décrire. Un genre de doré avec des reflets un peu roses. Enfin voilà, très jolie, très lumineuse. Et ensuite, je vais prendre du coup ce rose irisé pour dégrader entre ce doré un peu et le rose foncé mat qu'on avait appliqué. En ras de cils, je vais prendre un tout petit pinceau fin et le fard le plus foncé de cette palette et je vais l'appliquer en ras de cils pour faire comme un trait liner. J'avoue qu'avec un noir, ça aurait été un peu plus intense, mais je pense que ça suffit. Ça, vu le côté un peu pastel, on va dire, du maquillage, ça passe. Et pour le coin interne, je vais prendre ce fard blanc irisé qui est trop beau, que j'ai déjà utilisé, qui est vraiment très joli. En muqueuse, je vais venir prendre mon crayon Zulu de chez Colourpop, que j'aime beaucoup encore une fois, et qui est un mint vraiment très pigmenté, qui tient très bien. J'adore aussi. Et enfin, comme d'hab, je recouvre mes cils et je vais appliquer du mascara. Ici, c'est le Dame Girl de chez Too Faced que j'ai utilisé. Donc voilà, le look est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous aime.